Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est au concert de Mimik Ossiali qui c'est est ça. Juste en face de moi. C'est ça. Et voilà, c'est le jour J. C'est le jour J, on vous attend nombreux, on espère que vous allez passer un bon moment et que surtout la présence de Dieu sera manifeste, voilà. Comment se sont passés les préparatifs spirituellement? Parce que je sais que c'est pas facile de préparer un concert, ça prend du temps, de l'énergie, des temps de jeûne, de prière, de répétition. Comment ça s'est passé? En fait, elle a déjà tout dit. Pour préparer un événement spirituel, il faut être spirituel soi-même. Vous savez que quand on veut être un canal pour Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et cette personne-là se manifeste de plusieurs manières. Et donc, il y a des attaques, il y a des grands défis. Mais il a fallu que Moïse se retrouve face à la mer pour qu'il se rende compte que Dieu est capable de séparer la mer. Donc c'est vraiment important, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, de se consacrer à Dieu et au projet qu'il a pour nous et de ne jamais abandonner et d'aller jusqu'au bout. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous en sommes fiers. Amen. Et quel message veux-tu faire passer au peuple de Dieu? Parce que quand on fait un concert comme ça, on a un message. Cette génération, c'est une génération de feu qui veut vraiment servir Dieu. Quel est le message que tu veux faire passer? Deux choses. La première, c'est que Dieu doit toujours être au centre de tout. Il faut vraiment mettre Dieu devant, il faut faire tout pour Dieu. Et la deuxième, c'est ne jamais abandonner ce que Dieu nous a demandé de faire. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, il faut rester déterminé. Parce que si c'est le projet de Dieu, ça veut dire que Dieu est plus déterminé que nous à ce que ce projet s'accomplisse. Autant lui faire confiance. Amen. Travel Ben Gospel. Aujourd'hui, on est au concert de Mimik Ossiali. Ici, j'ai Patrick Bonhomme et Mina. Alors, ça va le ça jour va. J ça va, très bien, très bien. Ça a été les préparatifs? Ouais, impeccable, impeccable. Alors, quel message, en tant qu'enfant de Dieu, vous voulez passer aujourd'hui? Je crois que ce qui est important de souligner dans cet événement, c'est qu'il va y avoir une unité particulière. En fait, ce qui est énorme, c'est que, et ce que j'ai vu chez Mimik, c'est sa volonté de fédérer tous les chrétiens pour qu'on soit rassemblés en un point, et à Paris même, pour célébrer le nom du Seigneur et faire monter une louange particulière. Et on veut croire que lorsque le Seigneur va être adoré et élevé parmi nous, nous voulons croire que le Seigneur va faire descendre sa gloire, que quelque chose de particulier va se manifester à Paris. Et je crois que c'est important de dire que Paris, on dit souvent que c'est la ville des lumières, mais finalement la lumière du monde, le Seigneur Jésus va se manifester. Et je crois vraiment que pour une fois, cette ville va apporter justement son titre. Amen, amen. Et alors aujourd'hui, quel chant allez-vous nous faire? Alors, allez-y, je vous laisse le dire. C'est la réponse de l'église. Ouais. Ce sera vraiment... La réponse de l'église. Je peux avoir un petit avant-goût? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et... Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Oh, oh. Dieu est toujours Dieu et il est digne, digne. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. L'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance, et ne cessera pas de chanter. Oh, oh, oh. Que Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, chante, digne de louange,
ensemble. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges. Nous n'arrêterons jamais. Dis-le. Bonjour Ezekiel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Alors aujourd'hui on est où? On fait quoi? Alors aujourd'hui on est au Trabendo pour le concert de mon frère, mon ami, Pasteur Mimic. Et je suis vraiment heureux, content d'être là. Vraiment, je suis vraiment content d'être là. C'est une joie pour moi et un honneur d'être invité à cet événement pour la deuxième fois avec lui. Et tu vas prester, tu vas rapper, tu vas danser, faire du théâtre, de la gym, enfin... C'est presque de la gym. Non, je plaisante. Non, on va chanter. Donc je vais intervenir seul avec Mimic sur le concert. Mais sinon, en première partie, je serai avec l'équipe GK. Un effectif assez réduit aujourd'hui, puisqu'on est en préparation du concert. Donc on va essayer de faire quelque chose avec le groupe. On va essayer de danser un peu. Et quelle chanson vas-tu interpréter avec le pasteur? Avec Mimic, c'est une chanson sur laquelle j'ai bossé avec lui en studio, qui va s'appeler Atmosphère. Voilà, c'est la chanson, une chanson qui bouge aussi, donc... Venez et voyez. Comme il a dit, venez et voyez. Mais on se voit tantôt, moi je vais voir et voyez alors. Voilà, tu vas venir et voir. Voilà. Merci. Voilà, de rien, de rien. Alors que d'habitude, tu es en mode rappeur, tu danses, tu chantes, tu fais partie d'un groupe, non? C'est ça, je suis le frère Esdras du groupe Mekadishkem. Et aujourd'hui, le pasteur Mimic m'a honoré en me demandant de présenter. Donc, je suis un peu le Jean-Baptiste du soir, tu vois, avec mon frère B-Ride, qui lui aussi est un artiste rappeur et qui présente avec moi en duo. Voilà. C'est pas trop difficile? On a l'habitude du public maintenant. Voilà, les fonctions qu'on a à l'église avec le groupe, on a l'habitude de faire face à une foule de personnes. Et aujourd'hui, c'est vraiment un petit plus parce que c'est pas qu'une communauté, c'est vraiment, voilà, en plus c'est le public d'un grand frère à nous. Donc voilà, c'est vraiment, mais ça va, c'est pas très dur. Très content d'être là. Moi j'attends de voir la suite, de voir comment tu vas faire et je viendrai t'ennuyer à la fin du concert pour voir si tu as reçu quelque chose. Parce que... J'ai déjà reçu quelque chose parce que voilà, c'est la première fois que je vois certains frères et les événements comme ça, c'est super bien parce que toute la famille gospel en fait
se rencontrent. Parce que des fois, il y a des gens comme vous qui venez de Belgique, des gens comme nous qui sommes de Paris et qui viennent d'ailleurs. Et faire des événements où tout le monde peut se rassembler, c'est une bonne chose. Parce qu'on est un corps et unis, en fait, on sera plus fort. Donc ça change pas trop de ta casquette de rappeur, vu que là c'est... Sauf que, bah, aujourd'hui tu parles, c'est mais c'est toujours le même message, l'unité, l'amour, créer... Allez, cette exactement. Génération qui aider se lève pour aider les Christ. Autres, voilà, aider mon frère. Voilà, il n'y a pas de star entre nous, on est frères. S'il a besoin de moi même pour balayer, je balayerai. Voilà. Ok, merci. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on est à la fin du concert. Quelles sont vos impressions? Alors, pour moi, c'était un des meilleurs concerts francophones de gospel de toute ma vie, sans vraiment exagérer, parce qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait la liberté. On sent vraiment qu'il y avait une atmosphère de joie. Et je pense que des gens sont venus et ne sont pas repartis de la même façon qu'ils étaient venus ce soir. Et pour vous? Franchement, ça fait... des années que j'ai pas assisté à un concert en France. Donc franchement, ça, j'ai été vraiment impacté, vraiment touché. Et il y a des façons de faire, comme je suis musicien, donc il y a des façons de faire que j'ai appris aujourd'hui qui peuvent beaucoup m'être utiles, et surtout aussi avec l'équipe que je travaille. Donc franchement, je ne suis pas parti les mains vides, en fait, ce soir, c'est sûr. Et pour vous? Alors moi, ce soir, il y a une parole qui m'a touchée. C'est qu'on peut remplir le Stade de France. Donc moi, je le crois. Avec ces talents qu'on a vus aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Il y a des talents chrétiens en France. Donc il faudrait qu'on s'ouvre encore plus et qu'on remplisse le Stade de France, bien sûr. Mais donc, c'est que du positif, c'est cool, quoi. Oui. Mais on se voit au prochain concert. Oui, vite, le prochain concert. On l'espère. Et on y sera. On soutient. On soutient. En tout cas, il faut soutenir le gospel francophone. Mm-hmm. S'il vous plaît, achetez. Et le gospel belge, parce que je viens de la Belgique. Voilà. Voilà, la Belgique, tout Canada. Mais en tout cas, il faut soutenir. Il faut acheter. Et puis, il faut que le royaume de Dieu avance. Okay. Parce que l'essentiel, c'est que le royaume de Dieu avance. Et il faut qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on soit unis, qu'on soit plus forts. Et puis, on pourra remplir ce Stade de France et ce Zénith pour Amen. Les prochaines fois. On le croit, en tout cas. On le croit tous.
joyeux anniversaire, Jessica. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup. Eh bien, c'est un super cadeau d'être à un concert gospel le jour de son anniversaire en tant qu'artiste. Le pire, c'est que j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, bon, bah, je vais rester à la maison. J'ai dit, non, j'ai promis à mon frère d'être là, donc je fais l'effort, j'arrive. Et finalement, j'ai passé une soirée extraordinaire parce que tout était d'une simplicité et à la fois d'un professionnalisme que j'ai été bluffée. Comme d'habitude, Mimic, il me surprend de jour en jour. Et ce qui me touche le plus, c'est son cœur, c'est l'amour qu'il a pour Dieu, tu vois. C'est quelque chose tellement palpable. C'est pas quelqu'un qui fait semblant. Il est comme ça tous les jours. Quand on se rencontre parfois pour des séances de travail, c'est exactement la même personne. Et je suis vraiment fière, mais très, très, très fière de constater que le gospel francophone prend un essor extraordinaire. Et puis vraiment, mention spéciale, mais spéciale pour le cœur. Une des qualités, des voix de qualité comme ça, le band et tout, c'était juste magnifique. J'ai passé un très bon moment dans la présence de Dieu. On a senti l'onction qui touchait chacun des artistes invités. Et vraiment, je souhaite que ce type d'action puisse continuer parce que nous en avons besoin. Le peuple de Dieu en a besoin. Mais le travail se fait aussi en extérieur. Il faut qu'on attire ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent revenir à la maison parce que le Seigneur revient. Voilà. Donc des prestations comme ça, moi j'en fais tous les jours. Je pense que Jessica a tout dit. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Alors, Pyrobatterie, quelles sont vos impressions sur ce concert? C'est super, gloire à Dieu. On a passé un bon moment. Il y avait un échange, il y avait de l'amour, il y avait de la joie, de la paix, de l'unité. Moi, je dis simplement gloire à Dieu. Voilà. On ne vous a pas vu sur scène cette fois-ci? Non, moi, en fait, c'est vrai que ma vraie personnalité, c'est d'être derrière, c'est de servir les autres. Même si c'est vrai que je suis artiste aussi, donc je suis obligé d'être devant. Mais j'ai plus de plaisir à servir. Donc, j'aime bien lancer les artistes, j'aime bien produire des concerts, produire des spectacles, produire des... J'aime plutôt cette place-là, à vrai dire. Ouais. Ok, ben... Comme moi, je suis belge, on vous attend en Belgique, parce que un soir, un destin... C'est vrai, j'ai entendu parler de ce... C'est un festival, c'est ça? Invitez-moi. Moi, je suis là. Ok, ouais. Merci. Alléluia. Je vois des vies changer.